Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la liste des 100 joueurs que j'utilise en Tech Crazy Express. Donc du coup la liste s'affiche actuellement à l'écran et voici les 100 joueurs que j'ai choisi de tester pour cette Tech Crazy Express. Donc voilà, comme je l'avais déjà expliqué dans une petite vidéo et sur Twitter, je suis actuellement en plein test pour ces 100 joueurs en Tech Crazy Express. Donc voilà, c'est vrai qu'à la base je voulais vous proposer le suivi complet de ces joueurs pour le 20 janvier ou en tout cas aux alentours du 20 janvier. Malheureusement avec la TOTY, je me suis dit quand même que ça allait fausser un petit peu les stats de vente et donc du coup j'ai préféré mettre de côté la Tech Crazy Express et la reprendre justement à la fin de la TOTY, justement pour que vous de votre côté vous ayez des stats correctes, des stats qui ne seraient pas faussées par la TOTY, étant donné que voilà pendant la TOTY l'achat-revente c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai mis ça de côté, donc du coup je décale d'une semaine la vidéo qui était initialement prévue. Et donc du coup dans cette vidéo je vous propose donc la liste des 100 joueurs en Tech Crazy Express et je vous proposerai un petit peu plus tard, voilà, un petit rappel de cette technique d'achat-revente. Et donc du coup comme je vous l'ai dit, la vidéo que je vous proposerai dans, je pense, approximativement une semaine, je vous montrerai un petit peu le tableau que j'aurai effectué au niveau du suivi de tous ces joueurs que vous voyez actuellement dans la liste. Donc vous aurez le nombre de ventes par joueur, donc vous aurez les joueurs qui fonctionnent le mieux, les joueurs qui seraient plutôt à éviter on va dire pour cette technique d'achat-revente, et vous aurez également voilà le nombre de relances totales que j'aurais effectué, le nombre de ventes totales ainsi que le nombre moyen de joueurs vendus par relance. Donc comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'achat-revente, de voir un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre. Donc voilà, si vous vendez, je dis n'importe quoi, si vous vendez 5 joueurs en moyenne par relance, et bah vous saurez que ça reste une moyenne vraiment correcte pour cette technique d'achat-revente. Donc voilà, vous aurez un petit peu tout ça prochainement. J'essaye de faire au plus vite, mais je pense que voilà, d'ici une semaine, au moment où vous verrez cette vidéo, vous comptez une semaine et je pense que je vous proposerai cette petite vidéo du suivi de ces joueurs. Et donc du coup, je vais vous proposer un petit rappel de cette Tech Crazy Express, pardon. Donc voilà, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est tout simple, en fait c'est de la Tech Crazy mais moins prise de tête, où on passe moins de temps à rechercher les joueurs, moins de temps à remettre en vente, etc, etc, un barème simplifié. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour les personnes qui n'auraient pas forcément beaucoup de temps à consacrer à l'achat-revente. Donc du coup je vais vous expliquer, vous choisissez déjà un joueur parmi la liste que je vous ai proposée, ou si vous avez une liste vous de votre côté, bah vous choisissez un joueur de votre liste, vous le recherchez sur le marché des transferts au prix minimum avec un style approprié. Donc je vous affiche actuellement à l'écran le tableau des styles appropriés en fonction des postes. Sachez également que je les ai rangés par ordre d'importance, c'est-à-dire les styles qui sont le plus à gauche sont pour moi les plus importants au niveau de la recherche de vos joueurs, et donc du coup les styles qui sont le plus à droite sont pas forcément les styles à éviter, mais les styles qui attirent on va dire un petit peu moins les acheteurs. Donc voilà, vous achetez un joueur, vous recherchez pardon un joueur de cette liste avec le style approprié au prix minimum et vous le recherchez avec les deux critères bien entendu qui restent toujours de mise. Déjà premièrement, au niveau du nombre de contrats, vous prenez uniquement les joueurs qui ont 10 contrats ou plus. Si le joueur a en dessous de 10 contrats, vous passez. Et également le deuxième critère au niveau de la forme, si le joueur a en dessous de 90 de forme, vous prenez pas. S'il a au dessus, vous prenez bien entendu. Donc voilà, vous réunissez les deux critères dont je viens de vous parler. Voilà, si un joueur a par exemple 10 contrats et 90 de forme, vous pouvez le prendre. S'il a en dessous de 10 contrats et au dessus de 90 de forme, vous prenez pas, etc, etc. Je pense que vous avez compris. Une fois que vous avez acheté votre joueur, et ben c'est tout simple, vous regardez à peu près au prix où vous l'avez acheté et vous le remettez 1100 crédits de plus. C'est-à-dire si vous l'achetez 1000 crédits, et ben vous le remettez en vente à 2000 prix d'achat, je sais plus comment ça s'appelle, enfin 2100 au niveau du prix de revente de votre joueur. Et comme ça, ça vous évitera on va dire de perdre un petit peu de crédit en fonction de la taxe IE. C'est-à-dire voilà, si vous achetez un joueur 1000 et que vous le revendez 2000, et ben forcément vous allez perdre
alors si je ne dis pas de bêtises, vous allez perdre 100 crédits au niveau de la taxe IA, et donc du coup en le remettant 2100, voilà, vous allez faire grosso modo 1000 crédits de bénéfices par vent. Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez mon Twitter, vous avez les commentaires de cette vidéo, si voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai. Dans tous les cas, j'espère quand même que cette petite liste vous fera plaisir, comme promis, voilà, dans une semaine, je vous proposerai le suivi complet de ces joueurs. Encore une fois, j'espère que ça va vous aider et que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.